Hello tout le monde, ici Omega LX, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Uranium en Nuzlocke Challenge. Alors, la dernière fois, on s'est occupé de la 6ème arène, un petit arène de type Psy, on a fait un petit sweep avec notre ami Tracton. Et nous devons à présent, alors, regardons notre petite map. On nous a dit d'aller vers la ville qui s'appelle Snowbank. Snowbank se trouve ici. Si vous voyez quand même, la route est gigantesque à traverser, donc on doit aller vers le nord. Si vous vous rappelez, en venant vers Venetia City, nous avons vu qu'il y avait un garde qui bloquait une entrée vers une caverne. Nous allons donc voir si cette entrée est maintenant libre pour pouvoir y accéder. C'est parti. Alors la team n'a absolument pas changé, pour l'instant je fais pas d'XP parce que je pense que je suis largement au niveau. Et nous avons Théo qui vient de spawn. Et je me fais interrompre. Ok. Ok, Jack... putain, il y a des Jack Diri sauvages. Mais j'aurais adoré en avoir. Putain. Ah, je suis déçu là. J'ai eu un vieux Echoten à la place. Bon. Ah bah l'entrée est libre. Alors, Théo. Eh, hey, c'est toi, Alexius. Je suppose que Bambo t'a envoyé. Je suis en train de m'entraîner pour aller défier le champion d'arène de Vénétie. Mais je suppose que tu t'en es déjà occupé, toi. J'en étais sûr. Il y a longtemps, j'aurais été énervé, j'aurais commencé à pleurer. Mais bon, faut que je grandisse un peu. J'essaie de devenir le meilleur dresseur, après tout. Mais est-ce que tu veux te battre? Allez, c'est parti. Allez, on commence direct avec un combat contre Théo. Et qui commence avec son Nymphlora. Ça tombe très très bien parce qu'on a mal à Mandre, qu'on va faire XP. A mon avis, c'est largement suffisant pour le Oko. Parfait. Ensuite, Kotlit. Alors, je pense que j'ai vu ça. Il me semble que j'ai déjà vu ce Pokémon, mais je me rappelle pas du tout à quoi il ressemble. Bon, on va rester. Ne me dis pas que... Mec ! C'est l'évolution de Quetzal, ça ! Oh, il est magnifique. Oh, c'est un dragon. Acrobatics. Ah oui, d'accord, le mec, il est... Oh, il est vénère. Bon, ça va, il fait pas très mal. Ah ouais. Le 100% est type dragon, ça va être neutre, ça. Et qu'est-ce que tu fais? Ça fait pas de dégâts. Ah si, quand même. Que ce soit du résister x4, ça va. Ça fait du taf. Ça fait du taf. Ça fait les mêmes dégâts que Poison Fang, mine de rien. Dragon Claw. Alors ça c'est stable par contre, ouais ça va. Ok, bon, ah, ça c'est pas mal du coup, parce que du coup si je veux un Kotlit, il faut juste que j'entraîne mon Chico Atoll, il me semble qu'il s'appelle comme ça, Linkit. Alors ça c'est le clone là. Alors Linkit c'est un type spectre, on m'a envoyé Windrider pour faire un petit Night Slash. C'est vrai que j'aurais pu rester avec Palamante pour faire un Night Slash. J'aurais dû rester au fait, je suis un peu con. C'est un peu con de ma part ça. Shadow Stick, nope. La petite animation et tout. Et bim. Est-ce qu'on peut crit? Même pas besoin. What? Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas besoin de corps maudit, mon pote. Je m'en sors très très bien. Y'a pas de soucis. Vailucard. Alors, Vailucard, c'est le poison ténèbre. Bah, je peux rester au fait. Techniquement, je peux rester. Je peux faire tunnel. Et j'ai outspeed. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Drain Life? Bon, je pense que ça, c'est une attaque ténèbre. Qui vole des HP, qui suce de votre vie. Enfin, ça fait des dégâts. Ça a l'air pas mal, en tout cas. Le 45. Sky Uppercut? Win. Ah! Ce Poké. Depuis quand Gliscor prend Strat Uppercut? Ah, c'est pas mal ça. Attends, est-ce que je la prends du coup? Parce que contre qui ça pourrait m'aider en vrai?
Contre les types acier, mais j'ai tunnel. Contre les types glace, certes. Après, faut que je les outspeed, tu vois. Là, je sais pas en vrai, ça pourrait vraiment m'aider. Mais Sky Uppercut. Ouais, non. C'est pas précis en plus, je préfère éviter. Les gars, avec marteau point qui a 90 de précision, on a eu de la malchance dans l'épisode précédent, on va éviter. Alors, il va envoyer Archilez, donc le starter. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre Morphis. Je sais pas si j'ai outspeed. Je pense pas que j'ai outspeed, mais j'ai envie de lui coller une Upper Voice. Je sais pas si j'ai outspeed et j'ai pas envie de risquer. Enfin, Archilez me fait mal à toute ma team en fait. Je peux tenter Windrider, je pense que Tunnel va le tuer. Mais il fait quand même mal à toute ma team, il tape partout. Hein. C'est le Pokémon qui me recte. En plus, Archilez est rapide. Après, bon, il tape sur le spé principalement. Donc normalement je tank. Le truc c'est que s'il me fait Ampleur et qu'il chope Ampleur 10, ça va très très mal se passer. Parce que je viens d'avoir Morphis. On vient à peine de l'utiliser. On va rester avec Windrider. Je vais risquer, on va rester avec Windrider. Il est niveau 43. Alors ça par contre, ça me fait peur. Il a Lance-Flamme. Oh shit! Putain, il fait mal. Nope. Oh, micro lui. Allez! Et one shot. Yeah! 6020 Pokédollars. Ok, donc faut que j'aille à la grotte. Attends, mais du coup, il reste là, lui, il bouge pas? Je préfère me soigner ici et ne pas aller au centre Pokémon, c'est chiant. Le gros flemmard, tu sais. Tu me dis quoi, toi? Lexius! Attends, quoi? Ne me dis pas qu'on peut le farm! Mec! Oh, j'ai trouvé mon spot d'XP, les gars. Oh, je vais XP à mort, sa mère. Oh, je vais XP à mort, sa mère. Oh, putain, c'est trop bien. Genre, tu peux le rematch comme tu veux. Ouais, j'ai bien envie de me refaire le... J'ai bien envie de me spam le combat jusqu'à être niveau 50 avec tout le monde. Ce serait OP, mais ça m'aiderait de ouf. En vrai, ça m'aiderait de ouf. Oh, le poison, nice. En plus, c'est un poison toxique. C'est un poison qui suce de la vie de plus en plus. Donc, ça, c'est pas mal. Par exemple, non, nope. En plus, cette musique est pas si mal. Hein. Oh, je l'ai pas tué. Oh, ça a l'air bon, on va soigner. Allez hop, c'est pour moi. Bah, justement, on va rester avec Malamandre du coup, parce qu'on peut Night Slash. Hop là. Ça, il ne fait pas trop de dégâts non plus, donc on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Tant qu'on perd pas de Pokémon, ça devrait aller. Vileucard, ah oui. Alors ça, c'est normalement, je mettrais Windrider. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? Bah en vrai, est-ce qu'il n'y a pas que le type sol qui peut lui faire mal? Parce qu'il a le même type que Drascore. Et Drascore, il prend que sur le sol, en super efficace. Donc oui, il n'y a que Windrider qui peut le défoncer genre comme il faut. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. C'est parti. Archilez. J'ai vraiment envie d'envoyer Morphis. Je sais pas, j'ai envie de déconner, putain. Ça me casse les couilles. Mais en vrai. Genre, il me fait combien la dernière fois? Il m'a mis genre 50 dégâts.
avec Lance-Flamme sur Wind Rider. J'ai beaucoup plus de défense P avec Morphis. Normalement, je meurs pas. Hein. Même en crit, je crois. Même en crit, je survis. Oh, je vais le regretter. Je vais le regretter, sa mère. À part si j'ai un quick claw, je vais le regretter, sa mère. Bon, c'est parti. Morphis, montre-moi que tu vaux la peine, mon gars. Montre-moi que tu vaux la peine. Hyper Voice. Yes! On one shot! Boum! Oh, le overkill, sa mère. Oh, le overkill. Oh, le overkill, j'étais pas prêt. En plus, tu gagnes du fric avec ça. Mais mec, c'est la meilleure méthode possible pour faire XP. J'en abuse ou pas? J'ai envie d'en abuser, les gars. Bon, je peux m'en empêcher. J'ai envie d'être safe. Vas-y, je vais faire XP tout mon niveau 50 avec Théo. Je reviens. A tout de suite. Ok, re les potes, on est paré. Alors, je viens de ressortir d'un combat avec Théo, j'ai dû en faire genre 20 d'affilée. J'ai utilisé Cheat Engine pour faire rouler le jeu plus vite, donc ça allait vite. Mais bon, nous y voilà. Donc nous avons Malamandre qui a pris deux grosses attaques. Il a pris Machouille et il a pris Bomberk. Donc son moveset est parfait. À mon sens, je l'adore. Ravage n'a rien appris. Il a appris coup de jus, mais j'ai pas voulu lui apprendre parce que c'est spécial. Wind Rider a appris Dance Slam que j'ai appris à la place de Plécroix. Parce que Dance Slam OP, et je pense qu'on n'a pas besoin de Plécroix. Ixion n'a pas changé. Il a voulu apprendre Feu de Foudre. J'ai évité parce que je déteste les attaques qui n'ont pas de priorité. UFO n'a rien appris du tout. Morphis, pareil. Voilà la team. Ok. Nous allons donc nous précipiter dans cette caverne, qui est donc le labyrinthe. Et notre première rencontre est la Ténéfix. Ok, il n'y a pas de souci, ou plutôt une Ténéfix. Allez, on va capturer une Ténéfix, il n'y a pas de souci. Le problème reste qu'il faut l'affaiblir. Alors, je vais prendre le risque. Je sais que c'est Bomber, je sais que c'est fort. Et malheureusement, ça le one-shot. Merde. Putain. Bon, je suis un connard. Je suis un connard. Allez, on enchaîne. C'est parti. On a du surf à faire. On a les dresseurs. Let's go. Oups, excusez-moi. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Dites-moi que je peux switch. Oh non. Oh non. T'as pas intérêt à faire le séisme ou quoi? Non. Oh, je perds pas mal à montre sur ce, je m'en bats les couilles. Oh mon dieu. Spike, ok. Refais Spike, y'a pas de souce. Refais Spike. Nice. Oh putain, merci t'es con. Oh, il est con. Oh, il est débile. Oh, putain. Oh. Oh. Oh, je suis content qu'il soit débile. Oh merde, je me suis fait interrompre. Ouais, j'aurais pu choper un chupacho. J'aurais pu être mexicain. Merde. Plutôt espagnol, enfin bref. J'aurais pu choper un mexicain. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce que... What? Il y a des Linkits ici. Ah, ça, c'est... Ah d'accord, donc c'est les fakes de ce jeu. Genre parce que... Ah oui, bah, ils ont dû en faire, forcément. C'est vrai qu'il a une Pokéball, mais bon. Attends, quoi? Je suis obligé de le tuer. D'accord. Bon, bah, soit, hein. Y'a pas de souce. Je suis obligé de le tuer, j'ai pas le choix. Bon. Alors, il y a beaucoup de voies possibles, donc on va aller vers le nord en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Lifeorb. What? What? À ce point, putain, c'est abusé. Yo, j'aurais trop donné le life orb à Morphis. Ouais, mais après, c'est dangereux parce qu'il prend tout en super efficace aussi. Non, non, on va garder la vie griffe dessus. Faudrait un choice scarf, genre. Sur Nucleon. Ah, y'a même des Lickins sauvages, si tu veux. C'est pas juste des Pokémon. Bon, bah, j'aurais rien eu de toute façon dans cette caverne. Je suis déçu. Je suis très la déception.
Attends, il a Marco? Ah, c'est possible, c'est un Team Spectre. Hein. Ah, il a peut-être Marcombre en effet, ok. Ok, y a pas de musique. Oh, ça pue le bug. Attends, je vais essayer. Oh, ça pue le crash, mec. What? Une barriétite. J'ai pas déjà rencontré un barriette? Non, il me semble que non en plus. Bah, ça commence par Bachon, Bachaf. Ouais, ça peut être l'évolution. Oh, j'aurais. Oh, nique sa mère, j'aurais pu avoir un top Joe. Oh, j'ai le seum! Oh, j'aurais pu avoir un top Joe. Oh mon dieu, j'ai le seum! Oh, le seum! Oh, je... oh putain. Oh. Sad face, putain. Oh, je suis. Fuck! J'ai tellement pas de chance. La prochaine fois que je vois de l'eau et que je peux choper un Pokémon, je vais pêcher limite pour avoir un Tomcu. On sait jamais. Alors, Chupacho. Ce truc est type combat, hein, je pense. De toute façon, dans Splam, c'est neutre. Donc... Oh, ça fait le taf. Putain, il est fragile ce truc de ouf. Primate. On va essayer, pas de soucis. Je pense que j'ai abusé sur le niveau, mine de rien. Niveau 50 pour tout le monde. Je pense clairement avoir abusé. Alors, tac. What the fuck? L'animation de force. Hyrolune. Toi, t'es type sol, toi, il me semble. On va mettre Morphis. Je mets pas que j'ai de l'outspeed, je mets Morphis comme ça. Attends, what? J'ai déjà vu ce Pokémon ou quoi? Ça me dit rien. Bon bref, c'est... Otis du nucléaire, ça le tue, y'a pas de souci. C'est ridicule, ta Nucleon, c'est trop fort. Quoi. Et du coup, sa seule capacité, c'est Marcombe. Oh, c'est chiant. Je suis obligé de gaspiller des PP pour sa gueule, quoi. Ah! Putain, la muscu m'a défoncé les muscles, quoi. J'ai les muscles en lombeau. J'ai plus de biceps, les gars, ça fait trop mal. Ni de triceps, d'ailleurs. Putain, mais le nombre de bons Pokémon que j'aurais pu avoir! En plus, c'est tous des types ténèbres, ce que je veux, quoi. Oh, mais mon dieu. Putain, oh j'ai le seum. Bon. Au lieu de me foutre le seum, je vais lancer un repousse, je pense que ça me fera du bien. Je pense que ça me fera du bien plus qu'autre chose. Alors attendez. Attends, s'il y a un montagnard, ça pue le terlarde. On va tester Windrider niveau 50. Je sais que ce Pokémon est complètement busted. Quoique non, non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti notre starter, on va jouer avec Ixion. Allez, go. Allez, go. Alors, je voulais utiliser des repelles. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce que t'as, mon vieux. Weiss, il s'appelle. Il a Interlard, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Le premier a eu Interlard, je me suis dit non, je vais pas me faire avoir une seconde fois. Les bons réflexes. Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Drilgan. Ouais. Moi, c'est l'évolution de... du petit que je viens de rencontrer, ça. Allez hop, ça dégage. On va tester à droite. Et y a une... Ah bah non, c'est un Linkit. Oh là là, mais fais chier, quoi. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que je suis obligé de les tuer, c'est... ces trucs. Hein. J'ai pas le choix, quoi. Ah non, j'aurais pu switcher là. J'aurais pu me fuir là, par contre. D'accord. Bon bah, écoutez. Je vais pas m'amuser, hein.
Un max repousse, ok. Chope ça. Ah, il y a un karatéka. Je suis tourne. D'accord. Il va faire des bons dégâts, ça, quand même. Hurra! Bastia. Ça me fait toujours rire, ce Pokémon. Il est en train de dimper en permanence. Quoi. Ah, il va mettre 40 dégâts gratuits. Merci pour la Dracorage. En vrai, je vais y arriver. Sachant que Bastia évolue encore, apparemment en Barriette, un truc du genre, parce que j'ai trouvé la Barriettite. J'aimerais trop voir à quoi ça ressemble, genre. En plus, c'est type ténèbre, quoi, ça me va. Ça me va comme Pokémon, j'aimerais trop l'avoir, tu vois. Mais après, où est-ce que tu le chopes? J'en ai aucune idée. Je sais que tu le chopes très très tôt dans le jeu aussi, mais ça, faut le faire. Attends, c'est... Ouais, c'est l'entrée, attends. Si je passe par là, c'est... Ah, il y a un item. Shadow Ball! Ah, c'est là que tu la trouves, trop bien. Et ça, c'est quoi? Ok, d'accord, t'as Griffombre et Ballombre dans le même spot. Y'a pas de sous, t'as deux des plus grosses CT du jeu. Alors ça clairement, je dis pas non. Ça, je dis pas non. Après, à qui je peux la prendre? Après, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça, c'est la question. Shadow Ball, je peux prendre un UFO. Alors ça m'intéresse par contre. Et je pense qu'il est temps de... Ah ouais, c'est vrai que c'est Dark Pool, c'est vrai. Genre, je viens de me rappeler, tu sais. En vrai, le type spectre, je pense, a plus d'inférence que le type ténèbre au niveau des efficacités des types. Parce que maintenant, avec l'apparition du type fée, il y a des gens, des garde-voirs, des monsieur mimes qui commencent à résister au type ténèbre. Donc, je pense que Shadow Ball sera beaucoup mieux que Dark Plus. Au pire des cas, on remplacera. Et si je me rends compte de mon erreur et que le type ténèbre est meilleur, bah fuck me, qu'est-ce que tu veux que je me dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on a une dresseuse. Et un item. Ou c'est peut-être un Linkid, j'en ai aucune idée. Mentally. Alors. Alors, déjà une mode speed. Bon, après j'ai une nature moins vitesse, c'est tout à fait normal. Elle a un Octalie derrière, sans... Oh, t'es sérieux. Préscience et Aurore, quoi. Juste pour me la mettre. Oh là, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Bon, de toute façon, tu vas mourir au tour prochain. Neg! Dégage. Ah, qu'est-ce qu'on a pris? Noctali, je suppose. Aïe. Wow, putain, ça fait mal. Ah oui, quand même. Umbreon. Morphis, vas-y, je vais mettre Morphis. Tu veux combattre avec des évolutions, il n'y a pas de souci, mon gars. Oh putain. Il one shot, c'est abusé. Nucleon, c'est trop... Oh, c'est un Linkit, ça race. Nucleon, c'est abusé, quoi. Faudrait trop voir ce qu'il apprend, si tu lui mets... tu lui mets ultra laser à ce bordel, tu one-shot n'importe quoi. J'avoue, ce serait abusé, en fait. Ah, c'est la sortie? Non. Attends, il y a une partie que j'ai pas encore explorée, c'est la partie qui est juste à gauche là. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est juste un item. Expert. Oh mec, l'expert bête sur Morphis, sachant qu'il fait que des super efficaces.
Oh oui. Oh oui. Ah oh, oui. Ah oui, mais clairement. Clairement, monsieur. Clairement. Expert Belt, c'est parti. Oh, ça va faire trop mal avec Hyper Voice. C'est vrai que je. Ah, attends, je peux mettre Shadow Ball ou pas? Ah non, je peux même pas en fait. Parce que je sais que. Est-ce que toutes les évolutions pourront apprendre Shadow Ball ou pas? Il me semble que oui, hein. Peut-être que c'est la seule, j'en ai aucune idée. Après, c'est pas une évolution officielle, quoi. Mais ça n'empêche que c'est clairement broken. Oh, c'est un putain de. Non, mais vas-y! Donnez-moi des items, quoi. Bon, oh, je vais pas vous mentir, j'en ai eu assez des items. Et des bons, en plus. Mais quand même. Oh là là, mais en plus, je vais être chiant, quoi. J'aurais dû essayer de fuir. Au lieu d'essayer de le buter. Je sais même pas qu'est-ce qu'il donne comme EV, ce gars. Ça se trouve, il donne des vieux VHP. Après, je me plains. What? Ah, ça. Ah, j'aime pas quand il y a ce bug de. Y a pas le son, là. Ouais, attends, on va surfer. Normalement, il devrait y avoir la musique. Voilà. Il faudrait que je revienne ici quand j'ai plongé. Hein. Dusk Ball, ok. Ok, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ah! Route 15. Ah bah ça tombe très très bien. Parce qu'on peut choper un nouveau Pokémon ici. Et il y a de l'eau, les gars. Bon, vous savez quoi? Je suis un connard. Et je m'en bats les couilles, mais je veux un top Joe. Hop. Si c'est possible d'avoir un top Joe, je veux en avoir un. Attends, je vais chercher sur mon téléphone vite fait. Pour l'instant, je vous laisse avec cette tranquille musique. Alors, Pokémon Uranium, route 15. Oh, cette musique! Ok, les gars. En surfant, t'as une chance d'avoir un top Joe. En pêchant aussi, mais je veux pas tester. Je veux pas tester. S'il vous plaît! Oh, putain! Fuck! La déception est en moi en ce moment même. Bon, après un Frieza ça devient un Daikatuna, mais bon. Ah là là. Bon, c'est parti. Ça sent la route avec plein de dresseurs là. Allez. Par contre, je sais que Brainor a beaucoup, beaucoup, mais vraiment abusément beaucoup de défense P. Mais est-ce que j'ai le one shot? J'ai 9 niveaux de plus, mec, what? À ce point-là? Static, bitch! J'ai envie d'esquiver tous les dresseurs et genre essayer d'arriver à la ville. Oh mais non, c'est. Non, non, je vais éviter de faire ça. Ouais. Je préfère avoir l'XP qu'autre chose. Blubberoy. Ah oui, je sais. C'est monsieur, j'aime les pizzas. Non mais je one-shot plus rien avec. Oh nice! Aïe, oh putain, ça par contre ça va se taber, ça fait très très mal. Ouh! Ah, il m'a empoisonné, fils de pute, à 10%! Ok, bon. Ah, il en a encore un derrière. Bon, soit.
sursaut. Ah oui. On va rester, mais faut que je fasse une guérison, quoi. Voilà. Putain, il déconne pas avec ses dégâts lui non plus. Hein. Enfin, enfin one shot, merci. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On finit sur le bug de pas de musique. Super. Bon, attendez, je vais me mettre sur l'eau vite fait. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou encore à commenter dans la section de commentaires en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, ne spoilez pas le jeu, je vous rappelle que je suis en blind, je découvre ce jeu. Sur ce, je vous laisse. C'était HomeGalaxy, je ne suis plus là. Ciao tout le monde!